Salut, station fréquence, l'émotion 13, c'est côté à vous tous, de la part de 14 ODR 002, QRZ local d'Indy 33, opérateur Rémi. Alors, on est ici, on est samedi 14 janvier 2017, et c'est parti pour le QSO national du canal 27. Wow, tout le monde s'est passé le mot ou quoi? Ah ben oui, le démarrage est un petit peu diesel. Attention les stations en fréquence pour le QSO national du canal 27. Bon ben on va attendre un petit peu. Oui, il me semble entendre quelqu'un dans le lointain, les bonnes 113-51, la station de la part de Dindy 33. Est-ce que ce ne serait pas des fois, à tout hasard, Didier 012 là, qui m'arriverait, mais vraiment à peine. Bon, c'est complètement noyé dans les QRM la station, à moins que ce soit un QSO parallèle. Ok, voilà. Ouais, c'est un petit peu diesel là ce soir. Hein. Voilà, du coup, on démarre, il est presque 21h05. Là, je suis un petit peu surpris. On a l'impression que le sud-ouest est en deuil. 73, Jérémy, j'espère que tu vas bien. 14, Victor Eco 27, l'opérateur Eric. 14, OGR 027. Bonsoir à tous. Et 73 Eric, comment vas-tu depuis tout à l'heure? Eh bien écoute, j'étais en train de réfléchir, mais j'étais en train de me dire que le QSO national, va falloir qu'on trouve une fréquence quand même beaucoup plus propre pour tout le monde, parce que ça va devenir impossible d'ici peu. Va falloir qu'on monte vachement plus haut. Ah, donc on clôturerait le QSO national du canal 27 alors? Bon, eh bien comme quoi l'année 2017 commence vraiment mal. De toute façon, hein, le QSO du canal 27, on peut le faire, on n'est pas obligé de le faire sur le 27. Hein. Il y a d'autres stations qui montent beaucoup plus haut et là, je crois que ça arrangerait beaucoup de monde parce que beaucoup plus de personnes arriveraient à s'entendre. Hein. Ouais, sans compter que certains sont allergiques aussi à descendre sur les 40 canaux. Il y a ça aussi. Le problème de QRM ou le problème d'allergie aux 40 canaux? Ah non, c'est que la station là, qui arrive, là, Xavier, a des QRM à donf, voilà. Et c'est bien ce que je disais. Si vous occupez son national, sur la rive droite, sur la rive gauche, bientôt, ça arrivera à être à devenir impossible, voilà. À moins de trouver un compromis avec une fréquence meilleure, hein, parce que là, tu vois, la station est du même côté que moi, elle n'est pas très loin de moi et t'entends pas du tout, tu vois. Eh ben d'accord, ok. Eh ben ça fait trois trucs très moyens là pour commencer l'année.
Ouais, j'espère que je ne module personne, vu la foule qu'il y a, pour commencer. Ok. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, pour commencer l'année 2017, alors déjà, on a, je sais pas si tu as dû voir ça, Eric, la revue, la Radio CB Connexion, là, qui arrête. Voilà, la version papier s'arrête. On ne sait pas encore s'il y aura une version internet. Et puis là, depuis peu, là, on vient d'apprendre que Radio-AM 33, voilà, a l'air de vouloir fermer ses portes. Voilà, je montre en même temps là sur internet. Voilà, avant liquidation, fermeture. Et puis toi là qui m'annonce là que c'est plus possible de faire le QSO du canal 27 ici. Je suis désolé Rémi, mais je ne comprends rien à ce que tu as dit. Je suis désolé. Bon, ben, vu que c'est pas moi qui commande, de toute façon, sur quelle fréquence on doit aller pour le QSO? Et l'autre. Oh là là, ils nous entendent pas. Non, mais c'est pas les QRM, ça n'a rien à voir avec les QRM. C'est pas les QRM. Hein. Alors, nous on l'entend très bien. Mais lui, il nous entend pas. Alors, c'est quand même. Ils ont beaucoup de QRM, voilà, parce que c'est, ils sont en ville. Voilà. La ville de merde, faudrait qu'à déménager. De l'autre côté, là, Xavier, lui, c'est pareil, il n'entend pas. Normal, ils habitent en ville. Bon, ben, où c'est qu'il faut qu'on aille alors? Au moins pour ce soir? Non, mais continuez, il n'y a pas de souci. Hein. Non, mais c'est pas grave, hein. C'est parti comme c'est parti, c'est pas bien grave. Hein. Je sors un mot sur deux, alors quand ça va vouloir, vous tournez, ça tournera, hein, voilà. Le cognac, tu vois, je l'entends, j'arrive à le comprendre, même plus fort que toi. Ok, le coyote, tu peux demander à Eric sur quelle fréquence il préfère aller, parce que là, il a de gros problèmes pour m'entendre. Ok, ouais, Eric, tu vas aller sur quelle fréquence, là? Il me demande, Rémi, comme ça, ça sera mieux, voilà. Ouais, je sais pas, moi, le mieux pour lui, c'est 975, 980, c'est ça, toi? Non, mais vous pouvez aller sur le 945, si vous voulez, juste pour faire des essais, vous allez voir, hein. Et je suis sûr que tout le monde va s'entendre, même Xavier, là, qui est pas très loin de moi, qui a pas trop qui a un poste pas trop puissant, et je suis sûr qu'il va suivre, s'il peut y aller, et il va entendre. Essayez de monter sur le 945. Ouais, alors ceux qui ont des 120 canaux, ils vont tous se retrouver baisés, mais bon, 945, d'accord, et c'est parti. Voilà, tu n'es pas sur la fréquence. Ok, 945, je suis rendu. J'ai un peu de tos ici. Ah ben là j'entends tout le monde, là, je suis sûr, là, il n'y a pas de... On vous entend bien, sur la fréquence, que ce soit en haut ou en bas, on vous entend bien quand même, hein. Ça, ben, voilà, c'est la ville, hein. Voilà, c'est la merde en ville, c'est la merde. Tout à fait, la vie, Rémi. Alors attends, je suis en train de regarder, ah si, ça y est. La boîte d'accord, mais attends, est-ce que... Non, je peux pas l'enlever en modulant. Là, attends, deux secondes. Ok, là, d'accord. Bon, ben d'accord. J'ai la boîte d'accord qui est un peu feignante ce soir, avec ou sans boîte d'accord. De toute façon, j'ai un 4 de tos ici, quoi. T'as combien de tos? 1-4. Avec ou sans boîte d'accord, j'ai la boîte d'accord qui est feignante ce soir apparemment. Et avec ou sans boîte d'accord, j'ai un 4 ici, quoi. Par contre, voilà, je t'en casse super bien. Eh ouais, les stations, vous nous cherchez là de l'autre côté, mais bon, c'est comme ça. Ouais, Xavier, est-ce que tu es par là?
calme-toi, c'est décalé là. C'est bon, on entend pas quand même, hein. Ah, moi je l'entends plus, moi. Tout à l'heure je devinais, là je l'entends plus. Attends, parce que là il est pas calé, alors je vais parler, Xavier, que tu te cales sur ma modulation là, pour que tu arrives à te caler comme il faut. Qu'est-ce que c'est? Tu vois les entendre, allez-y. Ah, ben lui il va peut-être nous entendre, mais nous. Hein. Enchanté de l'apprendre, mais j'ai un peu plus de bruit, moi, ici, par contre. Qu'est-ce qu'il y a, lui ? Alors, j'ai, moi, par contre, ici, j'ai l'impression que j'ai davantage de bruit, et puis là, on est très, très près, là, des fréquences radioamateurs, en plus. Hein. Mais c'est pas grave, mais redescendez sur la fréquence normale, c'est pas grave. Non, mais tant pis, c'est pas méchant, c'est pas grave, hein, c'est pas moi qui décide, hein, de toute façon, c'est l'ensemble du QSO, hein. Qui vont venir chercher partout. Donc c'était juste pour faire un essai, 945, tu vois, voilà, donc les fréquences qui sont un petit peu plus hautes. De toute façon, je vais te dire, qu'on soit sur le 275 ou qu'on soit sur le 945, on est sur des fréquences avec. Enfin, je ne vais pas raconter ça sur le TSO. À tes souhaits. Pendant que tu m'entends encore, demain c'est 14h30, 18h30 hein, pour Radio M33, les horaires. Hein. Le matin ils sont fermés, hein, c'est juste l'après-midi. Ouais, mais sur le 275, vous de votre côté, sur la rive gauche, vous entendez plus rien. Alors je sais pas. Non, mais c'est pas grave, de toute façon, c'était signalé à tout le monde sur le 275. Non, je voulais juste faire un essai et puis voilà, donc ça fonctionne. Voilà, donc maintenant, on va en parler peut-être avec les autres stations, avec les autres stations du QSO national, voir ce qu'ils en pensent. Et puis voilà, maintenant, il faut faire des essais et puis on verra de toute façon. Je crois qu'il y a un QSO du Nord qui se fait là sur le 27-940, il me semble. Je sais plus, j'avais été invité justement dessus. J'arrive pas à retrouver le truc. Hein. Donc, attends, bouge pas. Ouais, attends, il y a eu un break, lui. Je te personne. Ouais, mais justement, le problème, c'est que sur le 27-275, vu ton QTH, eh bien, tu n'entends plus personne. Et oui, du coup, comme tu dis, tu restes derrière. Et ça fait une personne en moins dans le QSO, pour le coup. Oui, mais bon, les autres ne sont pas prévenus. Il y a d'autres personnes qui vont venir. Et voilà, donc non, mais bon, on verra ça plus tard. Voilà, c'était juste pour l'info. Et puis, voilà, on voulait voir ce que ça donne. C'est toi qui vois. Moi j'ai un peu plus de QRM, parce que là, j'entends plus. Oh bah ça y est, j'ai bouffé son prénom. Quoi. Attends, je le retrouve dans ma liste. J'entends plus Xavier. Tout à l'heure je le devinais derrière, là j'entends plus du tout. Mais bon, si de votre côté c'est plus confortable ici, eh ben, on fait le QSO ici ce soir. Ouais, mais il y a les autres stations, ils vont pas comprendre, ils vont chercher partout. Ah bah de toute façon là il est déjà 21h15 passé. Je suis pas sûr qu'ils aient eu la patience d'attendre jusque là toi. Hein. Bah, vas-y, on redescend comme ça et puis on verra pour plus tard. Ok, comme tu veux.
Voilà, je suis rendu. Ouais, je suis allé trop vite là. Ah, chie trois coups, je suis allé trop vite. Et ça mouline, et ça mouline, et ça mouline pour descendre. Alors l'avantage qu'on a des mémoires, c'est qu'on peut basculer directement de la fréquence affichée aux mémoires et on revient directement là où j'étais, on était précédemment. Ok, là je suis revenu là. Ok, ben quand je suis arrivé là, c'était le grand silence là de ce côté-ci. Ouais. Où est la station enregistre le break? Tu m'entends, Eric? Moi, je t'entends, oui, un petit peu, je t'entends. Ok, il m'a semblé entendre un break derrière. Donc, avec ta permission, en avant le break. Oui, le break en avant. Je n'entends plus, là. Ouais, ça a été très furtif. Excuse-moi, j'ai appuyé sur le micro en même temps, j'ai pas entendu. Les uns sans les autres. Ah, c'est ça la ville, c'est bien la ville. Ah, on est bien en ville. Eh bien, ouais, mon collègue, encore, et je te promets, je t'entends plus fort que Rémi. J'arrive à te comprendre un peu mieux. Bon, après, c'est pas tous les jours pareil. Il y a des soirs où, au moins, suivant comment est tombée la propagande. Mais là, après, si vous voulez pas monter en haut, au lieu de rester sur le Z7275, vous allez sur le Z6275. C'est pareil, hein? Pourquoi 26 000 alors? Z6000! Ah, 26 000, oui, 26 275. Z6275! Peut-être que ça passera là, je sais pas si ça passe en haut, peut-être que ça passera aussi en bas pareil. Mais tout le monde ne pourra pas y aller là peut-être. Et oh, vous n'allez pas me prendre la tête vendredi soir. Putain, on a eu de la chance, t'es resté poli. Oui, t'as vu ça en plus, j'allais dire autre chose autrement. Putain, mais t'es en progrès là Thierry. Ça va bien, hein.
Bon, il n'y a pas de station qui va rentrer dans le QSO national. Oui, j'ai entendu. Oui. Et il m'a semblé reconnaître un Roger Bip soit de 7009 ou 9009. Le 26 275 est propre. Ah oui, j'ai été voir. Je l'ai nettoyé hier soir. T'as collé hier soir ce canal ? Faire le ménage. 26 275, waouh, ça correspond au canal 18 en deux fois inférieur. Ouais, là tout le monde ne pourra pas y aller. Hein. 26 275, c'est ça qui correspond à deux fois inférieur. Ouais, affirmatif, au canal 18 en deux fois inférieur. Là oui, c'est sûr que y en a, ils vont être pénalisés là. Oui, tu vas pouvoir surveiller ton tos en même temps. Ok, 26 275, allez, je vais arrêter. Ok, bon, ben on va tester. Voilà, j'ai 3 jours pour venir là. Oh non, non. Ah ouais, il y en a qui sont longs, hein. Attends deux secondes, putain, ouais, j'ai un 6, hein, j'ai un 7, moi aussi il faut. Ok, ah ben voilà, tout à l'heure elle faisait la sieste, là maintenant c'est bon, elle fonctionne à nouveau la boîte de couplage. J'ai un 1 maintenant de TOS. Eh ben, il n'y a pas que nous qui sommes là, Hachi. C'est pas aussi propre que là-haut, hein. Ouais, ouais, j'ai du bruit aussi, là. Plus de la musique, de l'accordéon, là, qui est passé, là, derrière. Oh, mais c'est la musette. Oui, oui, en plus, c'est ça. Bon alors, Eric, entre le 26 275 et le 27 275, entre les deux, lequel des deux est le plus propre ? Bon, Rémi, ça ne tient plus du tout. D'accord, on remonte sur le 27 275. Tu peux lui dire, Thierry, parce que là, il ne m'entend plus. Ouais, on revient au 27 275, ok. Voilà, bon, ok, je suis là. Mais il mouline, il pédale, il pédale, il pédale. Mais il va y arriver, oui. Alors, oui. Eric, allô, la lune, il y a quelqu'un? Là, comme c'est parti, ce soir, on tient toutes les fréquences. On va passer 17 au 28, 29, 30. On va redescendre après 26, 25, 24. On va tout faire. Tu vois, l'avantage d'un QSO, c'est quand c'est varié, comme ça. Là, au moins, il y en a pour tout le monde, quoi, pour tous les goûts. Tout le monde est satisfait. Hachi. Ouais, mais moi, je m'en vais sur le... Allez, on va essayer après. On va essayer sur le 51 mégas. Ah ben, j'aurais le droit, je pourrais suivre. Je suis là. Ok, donc demain après-midi, on se donne tous rendez-vous à Radio Am 33 alors. Ouais, demain j'y serai, moi je serai là-bas un peu avant l'ouverture, je serai là-bas.
Ouais, ok, d'accord. Au moins comme ça, je sais à quelle heure partir. Hachi. Et c'est pareil, t'as vu aussi, là, pour le magazine Radio CB Connexion, là, qui s'arrête aussi, là, prochainement, là. Mais t'as un seul langage de secours. Il t'entend plus, oh là là. C'est là, Xavier. Là, je suis en train de jouer sur les filtres là, pour essayer de le sortir. Ça m'est remis, on dit de se parler au micro, on pourrait changer. On pourrait encore changer de fréquence. Ah ben t'es. Allez. On a de la marge, hein. Oh l'autre. Et hop là, je te disais, on pourrait passer à un langage de signes, comme ça au moins on serait pas emmerdé. C'est con, on ne voit pas. Ah oui, les langages de signes, Eric, ça te convient? Il y aura moins de QRM? Comment faire partir un QSO en queue de poisson? Non, non, je suis toujours là, mais... Ah ouais, mais bon, visiblement, là, c'est vraiment pas le top. Là, tu vois, c'est en train de me saouler fortement, là, tu vois, parce que... J'entends à moitié ce que tu dis, je comprends pas, je vois qu'il n'y a pas que moi qui s'enverrai, donc c'est en train de me gonfler, là, sérieusement. Tu vois, je crois que ça continue, le QSO national, moi je vais arrêter. Bon ben voilà, c'est annoncé. Au moins, j'en ferai quand j'entendrai un peu, parce que là, la non-fréquence, c'est des fréquences de merde. Ah ouais, c'est vrai que, bon, moi je sais pas quoi dire, là. Alors, quand ça voudra passer, je viendrai, et puis quand ça voudra pas passer, mais, j'écouterai, j'essayerai. Ok, ok, le message est passé. Ouais, ouais, oui, mais tu vois, Xavier, je t'entends bien, oui, on est à côté, on est aussi loin qu'eux, ils sont de là, de leur côté, là-bas. Et nous, c'est vrai qu'on est bon, on n'est pas bien placé, quoi. Mais bon, c'est comme ça, hein, on ne peut pas faire autrement. Hein. En plus, la propagation en ce moment, c'est de la grosse merde. La propagation, c'est zéro. Alors... Mais la journée, rassure-toi, c'est la même chose. Hein. C'est vraiment sporadique. Hein. Ça va être juste, faudra tomber au bon moment, au bon endroit, au bon moment, et puis comme la dernière fois, pareil, avec les Italiens, aussi, tout ce qu'il y avait aussi, là, j'ai même entendu la Guyane l'autre matin, mais ça a été vraiment très très bref, voilà, il fallait être là, et puis c'est tout. Toujours derrière, hein, on va leur laisser le micro.
Ok, ben pour ma part, ouais, hélas, enfin je dirais hélas, n'importe quoi. Ouais, hélas, dommage que vous ayez autant de QRM. Parce que là, ouais, le QSO est en train de se faire bouffer à cause par les QRM. C'est bien dommage. Ouais, Rémi, ce qui aidait aussi là, avant beaucoup, là, où, qui m'aidait à te recevoir mieux, c'est que avant t'avais ce qu'il fallait derrière, que là maintenant tu l'as plus. Je l'ai pu à cause de quelqu'un qui vient nous faire des porteuses, bien comme il faut, avec toute la puissance maximum et tout, et qui nous a fait fuir les trois quarts des OM qu'il y avait dans le QSO avant. Bah, écoute, tu veux dire à ça de même, parce que là, j'ai compris un mot sur deux, là, je suis désolé.